Donc aujourd'hui, je vais vous présenter au même moment le Xiaomi Laser 4K qui est déjà en test sur le blog et son opposant, le tout nouveau LG HU85LA, le modèle blanc qui se trouve juste au-dessus, bien plus imposant que la coque noire du Xiaomi que vous pouvez voir de près ici. Vous constatez qu'on est quasiment sur le double en empattement par rapport au Xiaomi avec le LG. On continue à faire le tour des deux appareils, donc le LG blanc est bien plus imposant que le Xiaomi à l'arrière, donc il va falloir vraiment trouver une place pour pouvoir le placer, ce nouveau projecteur 4K laser, alors que ça risque d'être bien plus aisé avec le Xiaomi. On passe à l'examen de la connectique. Pour le LG, on a droit à deux prises HDMI et deux prises USB. Alors qu'en comparaison, le Xiaomi, qui est bien moins cher, propose 3 prises HDMI, toutes au format 4K, et une seule prise USB. Alors, autre avantage du Xiaomi sur le LG, la mise au point, donc le réglage de la netteté, se fait directement à l'aide de la télécommande grâce à un dispositif de pilotage électrique. Sur le LG HU85LA, ça reste une molette manuelle. N'oublions pas que le LG vaut 6000 euros et que le Xiaomi coûte moins de 1800 euros. Avec la télécommande, on redonne l'avantage à LG. Celle de la Xiaomi a l'avantage d'être épurée et facile d'utilisation avec un large rayon d'action, mais c'est également le cas pour celle du LG qui ne m'a pas posé de difficultés particulières. En revanche, elle permet de piloter l'appareil à la voix. Google Assistant est prévu dans le projecteur du LG et vous avez également un traitement vidéo et des commandes qui sont bien plus élaborées sur la télécommande blanche. Voilà, c'était une courte présentation du nouveau LG qui sera bientôt en test sur le blog. Je vous donne rendez-vous d'ici là sur passionhomecinema.fr. À très bientôt.